l'étape Rennes aujourd'hui, qu'est-ce que vous inspire ce profil? L'étape est courte, plus de 4000 mètres de dénivelé au programme. Oui, j'espère vraiment une grosse bataille aujourd'hui. J'espère avoir les jambes pour en faire partie surtout et me porter à l'avant parce que voilà, c'est pourquoi je fais du vélo. J'ai travaillé beaucoup depuis le mois de mai, donc c'est pour ce week-end-là que ça doit commencer à payer en vue du tour. C'est clair que c'est important pour moi d'être dans le jeu, donc j'espère que les jambes vont être à la hauteur de ces espérances-là. Quel scénario vous attendez? Une bagarre vraiment seulement dans la dernière montée ou quelque chose qui démarrerait plus tôt? On ne sait pas trop, honnêtement. Ça risque d'être un peu l'incertitude de voir l'échappée qu'il y a devant, la possibilité des conditions climatiques qui risquent de se dégrader et qui peuvent ouvrir la course. La montée est quand même très très longue, donc il faudra encore avoir des cartouches.